Hello, j'espère que vous allez bien. Je prends le vlog ici. Donc, comme vous l'avez vu, on est à la gare. On part à Grenoble voir notre sœur et notre nièce. Du coup, ma sœur voulait un McDo. Moi, non, c'est mort là. Enfin, j'ai du mal à manger McDo. Je peux manger, mais bon, bref, si je peux choisir, voilà. Moi, je me suis pris un petit Starbucks, mais du coup, je suis retournée parce que j'ai oublié de dire que. Je sais pas, j'ai pris un toffee nut latte, mais j'ai oublié de dire que déjà, je prends lait d'amande et pas de café. Donc, voilà. Bref, il me l'a refait, trop gentil, j'ai pris un chocolat chaud, lait d'amande et ça passe bien en fait, parce que je prends pas de lait de vache et du coup, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas bu de chocolat chaud et franchement ça passe bien. Donc voilà, du coup là il est 11h30, ouais, on va peut-être y aller, le train est dans 13 minutes, ouais, on va y aller. Ma soeur est partie chercher des bouteilles d'eau pour le train, j'ai pris un sandwich, elle va manger son Big Mac dans le train et voilà, on m'appelle. Ok. Merci de votre attention. Bon, bien arrivé, la Malo, la Lélé, la Lolo. Mais vous êtes gentil. Non, mais par contre... vous allez rester coincé là. Hein. Le taxi. Entre parenthèses, en mode comme des Antilles. Franchement, c'était un voyage entre une dame et une battre avec elle. Il est nul parce qu'il fout la grosse valise là. Alors que la grosse petite. Valise va pouvait aller derrière. Oui, mais fait. Avec la deux petites. Hein ben non, avec là. Une petite. Donc autant mettre une moyenne là en fait, comme ça prend un peu moins de place. Et puis le gars a dit la mère elle est fatiguée. Ouais, j'ai deux enfants en fait. Laurie peut être ma fille. Mais bon quand même. Ah oh, mais j'ai vu que la daronne elle était fatiguée. Hein? Comme on est des Antillais, on est de tension quoi. Ok, ouais, bref. C'est d'accord. Donc ce fut un voyage assez mouvementé. Une dame, une vraie connasse, failli m'embrouiller avec elle, mais grosse histoire parce que j'ai failli tomber, le train s'est arrêté. Tout est prêt. Je me suis excusée. Et la dame a dit ouais vous avez marché sur les enfants et tout. Je dis ouais mais vous voyez que je suis handicapée, je n'ai pas fait exprès et tout. Ouais mais même handicapée vous pouvez vous excuser. Il y a un monsieur qui a dit mais non mais c'est excusé. Enfin bref, une dame nous a saoulé pendant tout le trajet. Du coup on est bien arrivé à Grenoble. Il fait mais il fait froid par contre hein. Non bah oui. Non, il fait bon mais par rapport à Paris il fait froid hein. C'est vrai. Ah ouais il fait quand même froid. Donc voilà quoi. Là on va faire quoi? On va aller voir un petit marché de Noël au calme. C'est parti. Oui, c'est ça, Victor Hugo, c'est dans. Oh, Dieu! C'est moi qui habite là! Ma fille connaît même pas son tram. Je t'ai dit, j'ai pris le tram là. Elle a juste un pull, comment elle fait? Déjà habituée, elle est vaccinée. Du coup, on est rentré dans le marché de Noël de Grenoble. Donc, c'est parti. Par contre, c'est quelle odeur, hein? Ça sent caca chien, non? J'aime pas l'odeur. Ah, c'est peut-être les saucissons, je sais pas, mais ça pue! Ah, c'est le fromage, non? Ah, c'est ça! Attends, moi j'aime le fromage, mais. Raclette. Sandwich raclette. Ah, mon Dieu! En partant. Là, j'ai pas. Ah, ben, je suis pas la seule. Et ça sent fort, les gars. Et il y a une petite. Ah, c'est trop bien! Il y a même des tartiflettes. Et c'est bien. Mais Malorie, t'es pas habituée? Non. Ben en même temps, tu vas pas traîner dehors non plus, hein. Non, j'avoue. Franchement, il faisait bon tout à l'heure, mais là, ben, jusqu'à mon nez, il est presque rouge là. Ouais, il fait froid. Là, en fait, c'est le. On est passé par là tout à l'heure, les gars. Mais non. Mais non, on n'est pas passé par là. Mais c'était pas dans une. On a marché tout ça? Mais non, Malorie, c'était une rue et. Merde. Pas comme ça, mais non. J'aurais dû faire pipi.
par contre, il faut que je fasse pipi, moi. Hein. Attends, réfléchissons, Mallory. Peut-être c'est cette rue-là. Non, mais c'est cette rue-là. C'est cette rue-là, je suis sûre. Ben, je sais pas, mais ça peut pas être cette rue-là. Je pense que c'est cette rue-là. Allez, vite, vite. Putain, les gars, on s'est perdu encore pour trouver la voiture. Et il fait froid, sa mère. Oh my god. Oui, c'est là, j'en suis sûre. Mais attendez, les filles. Comment se fait-il? Et le vent, il est sale. Ouh, mes mains. Et j'ai envie de faire pipi. Ouh. Ah oui, oui. Non, j'avoue, c'est chaud. J'ai les mains gelées. Et je pose la caméra. Et Manine. Mais c'est pour ça en fait, j'ai pas regardé sur les réseaux parce que. C'est quoi les filles, déballage de colis? Donc ce qu'on a acheté chez Sephora, je vous avais dit que ma soeur avait commandé d'autres trucs et on a fait envoyer chez ma soeur. Loli, dis-nous qu'est-ce qu'il y a. Donc il y a Bene Fenty, un petit coffret. Ça c'est quoi? Voilà, merci madame. C'est les sourcils, chérie. Anastasia, les gloss Fenty. Ah oui, le. Non, pas gel. Pommade à sourcils, Anastasia. Et la base Benefit. Anastasia. Ça? Ouais, Anastasia. Ah oui, comme Anastasia. Comme Anastasia. Et pareil, moi j'ai reçu la nouvelle NHA box. Donc merci la team NHA. Donc pareil, je l'ai fait livrer chez ma soeur. On a pas mal de choses dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a toi? Non, t'es pas dans la box toi. Alors j'ai reçu les compléments de la marque Gia. Tu m'as fait une blague, complément alimentaire. J'ai reçu une brosse de Crazy Pouce. Et franchement, elle a l'air trop bien. J'en ai une autre de brosse. Et je suis moins fan, mais celle-ci a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a de la marque Devance. Alors c'est trop bien parce que c'est pas une marque que je ne connais pas. Un shampoing 100% Nat and Soft. Ça veut dire quoi? Dry hair, cheveux secs. Ah, c'est à diluer parce que j'ai trouvé ça bien léger. Ok, c'est comme une poudre. Ok. Ensuite, shampoing solide. Pareil, j'ai jamais testé. De la marque Watt. Ensuite, de design essentiel des vitamines. Ah, ça c'est top ça. Vitamine Drops. Goutte soin vitaminé pour le cuir chevelu et la. Ah, la peau aussi. Ok. Ensuite, de la marque Lacrose. C'est ça? Lacrose. On a un exfoliant visage. Sur posé, je viens deux fois par semaine. Ok, on a plein de trucs. Franchement, c'est ce que j'aime avec les NHA Box. On a vraiment plein de trucs. Ensuite, on a ici. Qu'est-ce que c'est? Soins nourrissants, action matifiante et unifiante. Mais je crois que c'est une poudre aussi. Je sais pas. De la marque Ojou VA. Ah, c'est pour hommes. Ok, bon, bah, c'est bien, je pourrais l'offrir. Et comme toujours, on a énormément d'échantillons. Alors, trop bien aussi, pareil, la marque Miel, que j'avais envie de tester, que je ne connais pas du tout. Génial. Mais dis donc, on en a des choses. Là, on a de la marque Carétic, shampoing 3 en 1. Je pense que ça va être aussi des choses à diluer. Ah oui, c'est pour... Vas-y, c'est pour ma michoupette. Ensuite, on a une carte cadeau sur le site Zawema. Moi, je crois que je connais ce site-là. Bien, on a ça, c'est quoi? Du chebé, du tchat, crème capillaire, cheveux en quête d'une belle longueur, un leave-in. Ok, on a ah, mais ça, je l'adore. Le gommage de Union Siam, une pure merveille. Je l'avais déjà testé, je vous en avais parlé. Je l'adore. Et pour finir, donc, on a des disques, je pense, lavables. Des cotons là-bas plutôt, on va y arriver. Franchement, box super complète. Je vous mets les détails en barre d'infos, le prix et tout. Le lien pour l'acheter, mais franchement, je crois que c'est 30€, 35€. Et un bon rapport qui a été pris. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de marques aussi que moi, je connais pas et que peut-être vous connaissez pas non plus. Et donc, c'est l'occasion de tester. Donc, c'est top. Merci beaucoup, NHA. Bon, du coup, j'ai acheté du pain aux pralines. Mais ça m'a coûté une blinde. J'ai 15€. Franchement, c'est super cher le marché de l'eau. Arrêtez de rigoler. En fait, elle se fout de ma gueule. Mais je crois que je me suis fait arnaquer, les gars. Parce que franchement, 15 balles du pain. Mais c'est bon. En fait, c'est avec des pralines là. C'est la. C'est quoi là? C'est la. Comment ça s'appelle ça? La spécialité de Lyon. Ouais, prends un couteau. Mais ouais, 15 balles, les gars. Quoi. Donc bon. Voilà, donc on va le déguster. Prenez le temps de le manger. Voilà, doucement, mais sûrement. Tu veux avoir? Mais c'est bon, franchement, c'est bon. Le bijou,
C'est quoi l'histoire, Lily? Raconte-nous l'histoire. Il veut le diamant. Ouais. Il veut le diamant. On regarde Little Men. C'est un ancien film, mais Lily aime bien. Et il veut... C'est pour ça qu'il veut toucher le sac. Le sac. Ah, d'accord. Bon, du coup, on est posé dosé. Ouais, voilà, ça. Quoi. Alors Loli, ou quand il cherche en tacos, mais ou bien frette. Enfin, Mima Doudoune, quand il shot. Mon Dieu. Ah là 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 là. Mais quelle histoire. Atoll, tu passes? Ouais, tu dois passer devant Atoll. En gros, c'est en face. En fait, je vous explique. Ma soeur n'était jamais venue chez ma soeur. Et du coup, elle est partie chercher les trucs qu'on a pris emporter. Mais elle connaît pas. Donc, du coup, elles sont en mode FaceTime. Happy Food. Happy Food, voilà. Et juste, on passe par là. Voilà. Mais oui, mais Tita, elle connaît pas. C'est pour ça. En plus, il est tout petit. Lolo, tu trouves? Ah. C'est la même. Oui, ou pas frais? Ah, ok. Et par contre, la commande, c'est la 10. Bon, moi, j'ai fini la Reina del Flow, mais j'en regarde encore avec ma soeur parce que c'est la meilleure série de tous les temps. Si vous aimez, vous mettez un pouce en bas. Et là, par là, on décore le sapin. Tranquillou. Ça. Voilà, c'est vrai. Vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 22, il me semble. Hier, j'ai pas vlogué, on n'a rien fait de spécial la journée puisque ma soeur travaille. Donc du coup, bah, elle est en télétravail, donc faut qu'elle bosse. Moi-même, j'ai repris les vlogs, donc c'est vrai que je recommence les montages, ça fait du bien. Le soir, quand même, on est sorti, on est parti dans un buffet à volonté sur Grenoble et franchement, c'était super bon. Et voilà, si vous voyez mes lèvres briller, j'ai mis du baume à lèvres. Il fait quand même froid, il y a du soleil, ça fait du bien, mais il fait quand même super froid. Donc voilà, du coup là on va aller chercher mon père à la gare, il arrive aussi, il y a plein de monde qui arrive là. Du coup, c'est parti! Ah, la vie d'artiste. C'est quoi la vie d'artiste? Dieu, la vie d'artiste, ça va Ludo? Pourquoi? Ça va, tu me pousses? Pourquoi la vie d'artiste? Ya, ya, quoi l'Abdoul? C'est quoi la vie d'artiste, Max. Papa? Ça a été le train? Ouais, impeccable. C'est sympa? Ouais. Impeccable, mieux que tout le plein. Tu t'es fait des potes? Ouais. Papa, il trouve toujours des potes partout. Est-ce qu'on porte pas de combi? Oh, pépé. Et mets ta ceinture. Allez, c'est parti. Ya, yeah, ya, yeah, on y va. Bon, du coup, ce midi, on a pris des petites parts de pizza. C'est bon, les filles? C'est quoi ça? Ok. Moi j'ai pris ma part de pizza préférée, pizza raviole saumon. C'est juste bon. Il faut trouver le 2 et le 1. Tout est là? Ah bon? Il n'y a pas derrière, chouchou? Mais oui, il y a derrière, doudou. Alors, est-ce que là tu vois un 2? Et un 1, mais même moi je le vois pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
T'as montré à maman? T'as montré à maman? Ouais, t'as froid. Papa, t'as froid? Yau yau. C'est pour ça que t'as mis ta capuche là comme ça? C'est la chaleur de l'hiver. Eh bon Dieu Seigneur. Oh là là, bon la petite sortie en famille. Tranquille, t'as pris un masque? Oh là 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 là. Sortie en famille, enfin sortie. Franchement les gars, je vlog rien de spécial. Hein. On va juste faire des petites courses tranquillou et voilà. Ouais. On est en mode cadeau de Noël de dernière minute, mais pour Lélé. Et ben c'est la mode, elle adore Marinette, Miraculous, elle adore LOL. Mais les gars, ça coûte une blinde, quoi, 99€. Ma soeur regarde. Ah oui, regarde sur internet, j'avoue. J'ai l'impression que c'est cher quand même. C'est les mêmes prix en fait. C'est les mêmes prix. Même si en Amazon, ça doit. Ouais, bah ouais, bah, ça change rien. Hein. Tu sais, ils sont obligés de s'aligner. Hein. Donc du coup, on regarde. Rapidos. Mon autre soeur a essayé de l'éloigner un peu. Non mais l'année prochaine je vais chez Leclerc les gars pour mes décos de Noël. Franchement je savais pas qu'ils avaient des trucs comme ça. C'est trop canon. Bon les casse-noisettes ils sont un peu chers parce que chez Action ils étaient à 39€ et je trouvais déjà ça cher, donc voilà. Oh, regardez-moi la boîte aux lettres. Bon, c'est un budget, hein, j'ai pas la place, mais franchement, j'adore. Ils ont vraiment des jolies choses, quoi. Et là, le petit village, il est trop canon. Waouh, c'est trop beau. C'est trop canon. Bon, du coup, on a fini de faire les courses et en fait, on est obligé d'éloigner ma nièce parce que ma soeur est repartie chercher son cadeau, quoi qu'elle voit et tout. Enfin bref. Donc du coup, les filles vont faire un petit tour de manège. Vous allez où? À Fukakao? Vous êtes canés sur le Fukako? Ok, super. Tu vas voir Mamie Choupette? Attention au départ, attention, attention au départ. Ouais. Yepa. Hello. Petite raclette, la Lolo est en mode raclette instagrammable. Ah ouais, tu fais un truc sérieux, tu peux faire un cercle et tout. Mais j'allais, c'est chiant en fait. Et ça pue aussi. Et raclette avec du jambon de Noël. Pays, bien sûr. Guadalupe. Voilà, Guadalupe, c'est pas trop pays. Hein. Jambon Focaco. Ouais. Ouais. Donc raclette avec du jambon de Noël, les gars. Vous avez déjà vu ça? Malo, t'as déjà sorti la sauce là. Ah, purée de piment. Et Jovi, le boss. Jovi, il a découpé ça bien. Jambon, hein, c'est trop. Moi, je préfère celui-là, personnellement. Hein. J'aime pas le jambon sans. Yao yao. Mais voilà, la vie est belle. Je suis entouré de mes quatre filles. J'ai trois filles et ma petite fille Léana. Mes trois filles, Céline, Malorie, Lori. Et ma petite bébé, Léana. Voilà. Yao yao. Bon, je confirme que jambon de Noël et raclette, ça passe crème. C'est trop bon. C'est bon, mon cœur? Oui. J'achète moi tout le temps. Avec un petit peu de piment végétarien, ouais. Ça glisse. Nous, on regarde Hôtel Transylvania ce soir. Ouais.